Tigre doré, lionne, tigre blanc, les stars du cirque de Rome, ce sont ces fauves, tous nés en captivité et élevés par la famille Dumas, comme depuis plusieurs générations. Florian le dresseur s'occupe des dernières répétitions, seul dans la cage, avec ses animaux. Impressionnant. Il n'y a pas trop d'impréhension parce que j'ai grandi avec eux. La plupart, là, ils ont 2 ans. On les a élevés au biberon, donc on n'a pas eu trop de soucis avec. Ils ont tous un caractère différent, on l'a vu un petit peu. Ah oui, oui, ils n'ont pas tous le même caractère. Ça, c'est comme les gens, ils ont chacun leur petit caractère. Le cirque de Rome n'avait plus posé ses valises à Soissons depuis 6 ans. Et dans chaque nouvelle ville, la famille Dumas est très attendue. Plus exactement, ses animaux sont très attendus. Ils sont près d'une 50 dans la caravane. Le public est toujours là, ça n'a pas changé. On va dire de 15 ou 20 ans en arrière, le public c'est toujours là. Les gens adorent les animaux, ils veulent des éléphants, ils veulent des rhinocéros. On dit on ne peut pas tout avoir. On a déjà des lions, des tigres blancs, des chameaux, des zèbres. Mais les gens, ils adorent encore les animaux. Tout vers le cirque, il a été créé avec les animaux. Au programme également du nouveau spectacle du cirque, des numéros d'artistes. 2h10 de show au total. Le cirque a prévu 7 représentations jusqu'au 17 février prochain.